16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, et oui, il est important de bien manger c'est important pour la santé, et pour cela, il nous faut des bons conseils. Et que demander de plus que les conseils d'un nutritionniste, un diététicien? Il est là avec nous, c'est Mickaël Marquis, responsable MM Nutrition. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. La lecture d'étiquettes est souvent un casse-tête pour la plupart d'entre nous, mais finalement, est-ce qu'il est indispensable de toujours lire les étiquettes alimentaires pour faire ses choix dans les magasins? On voit souvent des gens qui passent leur journée dans les étiquettes. Est-ce que c'est vraiment utile, indispensable pour notre santé? Alors non, c'est pas indispensable pour notre santé. Néanmoins, d'avoir un petit peu une notion de ce qu'on trouve dans les aliments, ça peut être intéressant. Donc de temps en temps, prendre un petit peu de temps pour s'informer, oui, pourquoi pas. Et après, il faut aussi comparer les choses qui sont comparables. Donc comparer un yogourt avec une plaque de chocolat, il n'y aura aucun sens. Donc voilà, être plutôt efficace et de temps en temps s'informer, c'est plutôt la recommandation. Si on se concentre tout d'abord sur la liste de tous ces termes qui sont notés en ligne et souvent en petit, qu'est-ce qu'il est important de retenir? Parce que voilà, il y a une source incroyable d'informations, on est un peu perdu avec tous ces termes techniques. Comment s'y retrouver? La première recommandation que je pourrais donner, c'est plus la liste est courte, plus ça sera recommandé. C'est-à-dire qu'il y aura moins de choses à ajouter. Donc on va vraiment essayer de viser la liste la plus courte. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aliment qui est noté en premier dans la liste, c'est ce qu'il y a le plus dans l'aliment. Donc des fois, c'est du sucre, des fois, c'est de l'eau, des fois, c'est des matières grasses. Donc avoir aussi une petite attention à ce niveau-là. Ensuite, concernant tout ce qui est peut-être additif, c'est alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet à part entière, mais je recommanderais d'éviter d'avoir plus de 3-4 E par aliment, éviter vraiment ces aliments avec plein d'additifs. Additifs, ça peut être colorant, conservateur. Voilà, exactement. Vraiment les éviter au maximum. Et puis peut-être pour tout ce qui est intolérance, donc ça c'est vraiment tous les mots qui sont un petit peu plus en gras. Dès que c'est en gras, ça veut dire qu'il y a des risques d'intolérance ou d'allergie, ça peut être voilà, le lactose, le gluten, etc. Maintenant, si on parle des énoncés avec beaucoup de chiffres et parfois même des pourcentages, comment peut-on s'en sortir sans être un expert? Alors là, encore une fois, l'idée c'est plus de comparer différents produits. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que la majorité du temps, c'est au 100 grammes. Donc la première chose à faire, c'est déjà de comparer par rapport à la quantité qu'on va consommer. Si on consomme vraiment 100 grammes, c'est rare, c'est plutôt soit moins, soit plus. Donc déjà, faire une règle de 3. Puis après, on peut voilà, regarder les calories totales, même si ce n'est pas le plus important. Plutôt se focaliser sur les matières grasses, dont les acides gras saturés, on va essayer de les éviter le plus possible. Ensuite, il y a tout l'aspect des glucides. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'un peu plus compliqué. Je pense que c'est un thème qu'on pourra reparler par la suite. Et après, bah voilà, il y a aussi le sel, peut-être à éviter au maximum. On parle beaucoup du sucre, mais pas du sel. Exactement. Qui n'est pas forcément bon pour la santé aussi. Alors, on en a besoin, mais on a souvent trop de sel. Donc, ça aussi, à faire attention. Et puis après, essayer d'avoir suffisamment de protéines. Et aussi au niveau des fibres qui peuvent être intéressantes. Mais après, il faut toujours aussi avoir finalement l'objectif de l'aliment. Pourquoi on consomme cet aliment? Est-ce que c'est pour un apport en protéines? Est-ce que c'est pour plutôt faire attention au cholestérol, etc. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte finalement. Donc les étiquettes, oui, mais il ne faut pas s'éterniser. Juste un petit coup d'œil pour voir tout de même ce que l'on mange afin de rester en bonne santé. Merci Mickaël Marquis pour tous ces bons conseils, comme chaque semaine. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils santé, histoire de garder la forme et de bien s'alimenter. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous aussi.